Sur le chemin d'un retour à la croissance et de reconstruction, de vastes projets ont vu le jour. La Côte d'Ivoire de la vie des partenaires au développement est en chantier. Des ruines du passé se bâtissent le présent et le futur. Après la crise, à Bobo manque presque de tout. Aujourd'hui, la commune avait saisi la main tendue des bailleurs de fonds pour s'inscrire dans le développement. C'est l'objectif visé par le projet Cohésion sociale. En termes de symbolique, c'est montrer qu'à partir du culturel, à partir du social, on peut commencer par bâtir. Et quand on bâtit, à partir de ces deux éléments, on bâtit sur du solide. Un projet auquel adhère l'Union européenne et dont le financement ne s'est pas fait attendre. L'activité qui est proposée est tout à fait pertinente. On construit des infrastructures, on leur permet de, de vivre simplement ensemble. Alors ce financement de mémoire s'élève à peu près à 350 000 euros. Ce montant permet la réalisation à 90% de ce projet pour lequel les communes d'Abobo et de Yopougon. Ont déjà investi respectivement 37 et 27 millions de francs CFA. La part des financements de l'Union européenne a fait l'objet d'une signature de convention. C'est avec plaisir et avec célérité que nous allons utiliser ces fonds. Et je suis persuadé qu'au bout de la fin du programme, l'Union européenne sera suffisamment satisfaite. Des ONG comme Search for Common Ground apportent leur appui à ce projet qui va durer trois ans et contribuer au renforcement des capacités des élus, agents, ainsi que les leaders communautaires des communes de Yopougon et d'Abobo du district d'Abidjan.